j'ai mal. Ah, je viens de me niquer les couilles là. Ah. C'est pas avant les gars, c'est pas avant. Bise, encore merci. Et je t'envoie un message quand j'arrive. Salut, ok les. Bon les gars, moto vlog numéro 3, si je me trompe pas. Aujourd'hui, on va à Toulouse pour une rencontre abonnée, place du Capitole. J'ai donné. J'ai donné rendez-vous à 16h, c'est 16h01. Je suis actuellement à 37 km du Capitole. Non, je rigole, mais en vrai, putain. En vrai, c'est parce que je suis allé au McDo et tout. Le mec, il a mis sa vie à nous servir. Genre, j'ai attendu un quart d'heure. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec son tricycle? Salut, beau gosse. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils allaient venir. Enfin, plein. Deux ou trois. Là, en fait, j'étais chez une abonnée qui m'a gentiment invité à dormir chez elle. Pour ceux. Ah, mais là, parce que ça c'est obligé qu'ils vont en avoir. Les gars, il s'est rien passé entre elle et moi. Genre on a fait chambre à part, tu vois. Y'a rien eu. Très sympa en plus. Genre elle a un chien mais genre magnifique. Bah vous avez dû le voir. C'est un petit husky de 5 mois. Il envoie du pâté croûte. Ouais Tolosa. Oula 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 là. Bord de l'embouchure on va. Y'a de l'eau ici. C'est gênant parce que je sais pas du tout combien de personnes va y avoir. 5 ou sera 2. Bah on ira boire un verre écoute hein. Mais Sparte Motard il était pas à Toulouse une fois. Je sais pas. J'aurais fait peur. Je sais pas où je suis gros, je sais pas où du tout je suis. Oh j'arrive dans 2 minutes les gars, je suis plein de caca là. Ouais c'est à faire comme ça, ouais c'est à faire à 2 à l'heure frérot. À 2 à l'heure. Ouais mais attends moi je suis pas d'ici frère, je connais pas. Plus les gars en fait j'ai donné rendez-vous place Capitole. Mais genre le truc c'est genre une place énorme. On va faire genre on se gare ici. Et on va aller genre là-bas quoi. Genre le mec il fait tout ce qu'il faut pas faire quoi. Genre y a un échec subi dans ma vie, c'est que je crois qu'il y a personne. Mais c'est pas grave. Ça va mec? Ça va? Bon on est deux? Non y'en a qui arrivent là. Yes nickel. Ça va les gars? Ouais. Tu vas bien? Ça va? Ça va mec? Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va gros? Ah bah si tu mets pas la bonne caméra. Allez on fait des V de partout. Ouais. Toi aussi pour la cogner? Ouais t'es plus petit que dans tes vidéos. Tu l'es. Si ça dérange pas si on fait une photo avec mes sœurs, elles veulent faire une photo. Non pas de problème vas-y. Je me grandis. Ah ça fait plaisir de vous voir. T'as le pot d'origine non? Moi j'oublie pas mon boîte de disque. Bâtard. C'est où? Eh bah c'est la question que je me posais. Bon les gars on va où là? Sinon le bar à côté du Crédit Agricole là non? Ah pardon excusez-moi merci. Je passe, de rien, avec plaisir. Attends. première page, j'écris quoi? Pour Pauline, 2 sushis. Attends, c'est écrit comment Pauline? J'aurais bien essayé un sushi, mais je pense que ça partira sur un échec. Donc on va faire un petit gribouillis comme ça, ça fait style. Pour Marie, sushi. Hop les. Ah ouais, ça touche jusqu'à là. Ma moto elle a calé. Ah non, on l'entend pas. Bah les gars. Il a eu mal. Tchuss. Le problème frérot c'est que les gens... Oh photobombe. Prends le photo frérot, prends le photo. Là c'est pas une rue piétonne. Là c'est pas une rue piétonne. Tiens piéton, gros coup de gaz. Ouais. Ok d'accord. Ok bah on lui s'en bat les couilles quoi. Bon les gars, ça sort de la rencontre abonnée. On était une dizaine il me semble, j'ai pas trop compté. Il y avait quand même une mère avec son fils et ses 2 filles qui se sont déplacées, qui ont fait 70 bornes pour me voir. C'est juste énorme, merci à eux et merci d'ailleurs à tout le monde qui est venu. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Là maintenant, il y a le mec devant là qui m'a invité à dormir chez lui. Salut mon pote, MT07. Enfin une soirée aussi. Et qui me fait visiter un petit peu Toulouse. J'avais dit que je ferais une vidéo spéciale pour le 14 juillet. Je vais essayer d'effrayer des piétons qui sont genre sur la route. Parce que sur le trottoir ça n'a pas trop d'intérêt vu qu'ils ont rien fait. Et c'est où la FNAC là? Parce que quand j'étais venu à Toulouse, il y a une fille, elle s'était boitée en vélo. Ouais mais genre violent. Ok, la police et tout, on va essayer de... Merci. Ah c'est la police, je viens de capter. Bon, on va essayer de pas trop faire le dingue. Le mec il snap avec la police, je suis mort. T'as de la buée là non? T'as pas de la buée? Non, c'est les insectes. C'est ça de rouler en campagne et pas dans la ville. Eh mais gros, moi je me suis tout pris hein. Je me suis pris de la merde de pigeons, je me suis pris des sauterelles. Tu t'es pris une biche? Hein? Une biche, tu t'es pris? Une sauterelle. Une sauterelle. Je pense que je serais pas debout si je m'étais pris une biche hein. On fait la course. Allez.
CB500 VS MT07 est égal une grosse race. Salut mon pote. Oui. Salut mon pote. Non. Bon, du coup, je pense que pour le défi du 14 juillet, c'est un échec. Vu que on est genre très très loin de Toulouse, on va pas se cacher. Échec. Oh, son intro, il est dévissé. Remets ton rétro, non. Remets ton rétro. En fait, là, si je fais ça, il va se remettre. Ah. Je m'arrête et que je vise, en fait. Ah, c'est chiant, ça. Il a kiffé. Pied sur les calepiers. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, pied sur les calepiers. Non. Ah, c'était la galère en plus, putain. Vraiment, j'étais pas derrière Chinelle. T'as kiffé, hein? Non, pas du tout, parce que je m'y attendais. Mais je pense que j'aurais perdu 2-3 dixièmes à l'audition, tu vois. Y'a moyen. Bon, en fait, je me suis trompé, il a pas du tout kiffé sur le tunnel. Il voulait pas être derrière, carrément. Ah. Salut, c'est moi, c'est Sushi. Bon, le mignon, on va le caler où? On va le mettre dedans pour l'instant. Hop, on va prendre ça. Attends, je le prends. Je vais le coincer entre mes couilles pour l'instant. Les gars, j'ai l'impression que je passe ma vie chez McDonald's. Oula, j'ai écrasé avec mes couilles. Genre, depuis le début de la semaine, j'ai fait que des McDonald's, j'ai l'impression. Je suis allé manger avec cet énergumène. J'ai pris un menu Maxi Best Of pour lui et un Happy Meal pour moi. Et j'ai le cadeau. Mais là, t'arrives, mon gars, t'es à 100, tu le balances. Ça part sec. Ça sent l'échec, ça sent l'échec. T'es prêt? Un lapinou! Il y a des lapins, gros! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, presque! Pour ceux qui vont dire c'est dangereux, tu vas rouler dessus, les gars. Chabé ça. Pierre roule dessus, ça fait rien du tout. Le truc, c'est super mou. Il est déjà pété d'ailleurs, je crois. Il y a moyen. Il y a moyen de ouf. C'est mon appui, bon appui. Le bras est lancé. Chaud-moi en vent là! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Allez, change de rôle, à moi. Oh les gars, je vois, il y a un contre-soleil énorme. Oh non! Le mec il a lancé à la hauteur de mon slider quoi. Allez, allez. Rip aux oreilles parce que mon gars j'ai dû coller comme une sacoche. Ah, échec mon gars, échec. Oh putain. Mec, c'était même pas un échec, moi j'imaginais sincèrement qu'il allait partir au moins de là-bas là. Ah, c'était mieux. Tu penses que ça a donné? Non, c'était mieux que moi quand même. Bon, en même temps, c'était pas difficile. Ah! Attends, gros, j'ai perdu le vortex! Gros, j'ai perdu mon putain de vortex! Mais attends! J'ai perdu mon vortex, gros! Après le rond-point! Oh, ce Sunrise 7, Sunset, magnifique. Oh, c'est sexy quoi. Il a dû rouler, c'est un coup. Ah, elle est là. Vas-y, mets-le. Je l'avais paumé. Chantez plus rien. Mais je connais pas, hein, donc c'est un coup, on va se perdre. T'inquiète. Vas-y. T'as pas de gants? Mais attendez, je prends soin de mes abonnés, les gars. Le McDo fait son effet. Vous voyez le mec qui m'a dit ouais, viens, j'ai une soirée et tout. Et ben en fait, à la soirée, les gars, on a rencontré un abonné. Enfin, un truc de ouf quoi. Mec, il fait le double de ma taille quoi. Oh putain, ça va être drôle. Bon, est-ce que tu sais comment te tenir? La main sur le sexe. La gênance. Oh putain. Oh, tu pèses combien gros? Oh, y'a Dodan.
Attends, gros. Faut genre que tu tiennes derrière quand je freine. Parce que là, j'avais tout encore sur moi. On est où là en fait? J'ai pris là les moucherons quoi. Abusé. Ah, c'était pas là? Ah merde! C'était bien? Ouais, ouais. Bon, bien, tant mieux alors. Oui, tu vois, après, même si tu passes au 125, tu prends une 125. Si tu te lasses, tu peux passer à plus gros sans avoir à tout refaire, permis, etc. Ouais, ouais. Même si c'est qu'une formation, tu vois, ça fait toujours chier de revenir à l'auto-école. Enfin, je pense, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est carrément cool, putain. Tant mieux alors. Tant mieux. Ah, c'est bizarre de prendre un passager en vrai. Ah ouais? Ah ouais, ça a rien à voir. Ça change, ouais. C'est bon, il va bien, ah ouais, mon cuir. Quand tu freines, ah, mais c'est tout, trop bien, hein.